Good morning, allez Iden et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham de Chaim Ben Yisrik, Vafni David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Dvorah Bat Esther, ainsi que le poète Avraham Noach Ben Yehudit et Rachel Perl Bat Rivka. Mais Tor Shachol Israël, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine Nishmat, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Ktuvot Perek Zain Mishnachet Ayu Ba Mumin Beoda Bevet Aviya Av Tzarich Lavir Aya Shemishenita Ansan Oluma Mumin Alalu Ben Yistachfa Sadehu. נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתרסה היו בה מומין אלו, והיה מקחו וכך טעות. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, במה דברים אמורים? במומין שבסתר, אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון. ואם יש מרחץ באותה עיר, אף מומין שבסתר אינו יכול לטעון, מפני שהוא בודקה בקרובותיו. On continue à parler des défauts, des moumines, un moum c'est un défaut, d'accord? Avec, c'est à présent, un mari qui a marié sa femme, en insistant bien, qu'elle n'ait pas de défaut, d'accord? On a expliqué dans la mishnah précédente, c'est quoi les défauts? C'est tous les défauts qui sont invalides dans les kohanim, qu'un kohen à cause de ça, il ne peut pas travailler au Beth Amigdash. Le Beth Amigdash a la splendeur. Un kohen qui a un défaut physique important, il ne peut plus servir au Beth Amigdash parce que ça fait défaut, vous imaginez? Vous allez voir à la garde royale et vous en trouvez un avec une tête. D'accord? Le pauvre, ouais. On se moque de personne, bien évidemment, chacun il est comme il est. Mais malgré tout, pour faire la garde royale, la splendeur du Beth Amigdash, par exemple, eh bien, il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un qui ait des défauts physiques importants. Et donc il devient invalidé pour le Beth Amigdash. Maintenant, c'est les mêmes défauts qui invalident aussi pour une femme. Et on avait même vu aussi on avait évoqué quelques cas du Bar Tenora, de choses aussi qui peuvent aussi encore invalider chez la femme. Maintenant, la Mishnah continue. Mishnah Chet, maintenant, en me parlant de Ayuba Moumin, elle, on a découvert qu'en fait, il a marié, il a fiancé, on va parler, je vous explique d'abord peut-être à l'oral, comme ça après qu'on découvre, non, ça ira plus vite. On a déjà expliqué qu'il y a deux périodes. Il y a la période fiançaille, Kiddushin, et la période Nisuin. D'accord? Là, on parle maintenant, donc, selon le cas, si on découvre qu'elle avait un défaut quand elle était fiancée, alors le mari, il n'aura même pas besoin de la divorcer. Il s'avère qu'en fait, je t'ai acquis avec une condition, la condition n'est pas tenue, tu te retrouves, je n'ai pas besoin de te libérer, de te donner un guet. Mais si toutefois, il s'est marié avec elle, alors selon le cas, il devra ensuite lui donner un guet, mais sans lui donner la ktouba. C'est ce qu'on avait évoqué dans le Mishnah. Maintenant, on va s'intéresser à savoir, lorsque l'on découvre le défaut, et qui est en fait un quiproquo. Elle prétend que ce défaut, il vient de naître. Mais quand on lui dit, mais je t'ai marié, mais on avait posé condition qu'il n'y avait pas de défaut. T'as un poireau de 5 cm de diamètre sur le dos avec plein de poils, c'est un défaut, je te divorce sans tout va. Et la femme me dit, un défaut, 5 cm des poils, c'est pas moi, j'ai jamais eu ça. Et maintenant, la femme, elle prétend que ça vient de naître. Et lui, il dit, mais non, ça fait, t'as essayé de me mentir, t'as essayé de me vendre un mauvais produit. Donc du coup, il y a maintenant un vicouach, il y a maintenant un quiproquo. Elle prétend que ça vient de naître, et lui dit que c'était là depuis le début. À qui d'apporter la preuve? Là, c'est une question de Rochen Mishpat très forte. Le mari vient et dit, écoute-moi, pour le moment, c'est moi qui détiens l'argent. Tu prétends que ce défaut, il vient de naître, à toi de prouver. Amotsi mechavero ala varaya, c'est à toi d'apporter ta preuve. Elle lui dit, mais non, moi j'ai une chazaka, cheskatagouf. Moi, lorsque je suis né sans poireau, parce que tous les bébés, ils naissent sans des poireaux, sans poireau. Le poireau, il est venu plus tard, donc j'avais ma cheskatagouf, mon corps qui était pour le moment soupçonné, prétendu être propre, et qu'après il a un problème. Le problème, il vient de naître, il n'était pas là depuis le début. On a une confrontation de chazakot là. Un qui vient avec cheskatagouf, l'autre qui vient avec la cheskatmamon, qu'est-ce qu'on fait? C'est sur ça que la Mishnah vient nous dit comme ça, écoute, on va apporter une solution. C'est vrai qu'il y a une cheskatagouf, mais par rapport à la cheskatagouf, t'as aussi une autre règle qui te dit kadnimsa kanaya. Là, ça touche à un très vaste sujet. Il y a des livres entiers qui ont été rédigés pour résoudre les problèmes de Chazakot. Ouais, Chazaka, c'est on prétend, de manière générale, lorsqu'on doit un rav, il doit trancher une halakha, que ce soit en prochaine mishpat, que ce soit en yoredea, dans toutes sortes de issur veter et tout ça. On s'intéresse à savoir d'abord qu'est-ce que les choses disent, qu'est-ce qu'elles prétendent, comment on les présume jusqu'à preuve du contraire. C'est important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu veux aller. Pour le moment, qu'est-ce qu'il y a? L'argent, il est chez toi. Pour le moment, une femme, elle n'était pas censée avoir des défauts, et donc s'il y a des défauts, c'est que ça vient de se passer. Comment on tranche tout ça? Et sur ça, là maintenant, on a des confrontations. Tu me dis que tu l'as, c'est sûr qu'un poireau de 5 cm, il n'est pas né en une nuit,
ça fait au moins 5 jours, bon, ça fait au moins 2 mois que ça traîne, bon, ça fait probablement même finalement 2 ans. Bon, c'est pas définir quand, mais une chose de sûre, c'est que ça vient pas de commencer. Donc du coup, on se retrouve avec une force qui te dit, ça a toujours été propre, ça vient d'arriver. L'autre force qui te dit, mais non, si c'est maintenant, c'est que c'est sûr que ça a commencé plus en arrière. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour, quel poids on donne à toutes ces forces-là? Alors sur ça, on va avoir une grande règle qui va nous sortir dans la Mishnah. Ayuba Moumin Veroda Bevet Avia. Si elle a, on a découvert qu'elle avait des défauts, ça fait déjà 5 mois qu'elle est fiancée, mais un jour, il y a la mère du Hattan qui vient qui lui dit, tu sais, moi j'étais avec, avec ta fiancée là, au bain public, et j'ai vu qu'elle a, elle a 5 cm de poireau sur le dos. Oh là là. Donc maintenant, elle fait, bien sûr, on va l'amener au Beddin, on va amener les femmes des rabbinim, j'imagine, qui vont aller voir son dos, qui vont voir qu'effectivement, il y a un vrai problème. C'est un défaut. Mais elle prétend que ça vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si Ve'oda Bevet Avia, tant qu'elle est encore dans la maison de son père, Ha'av Tzarich Laviraya, au père, c'est au père de rapporter la preuve, chez Mishinitar, ça, que c'est depuis qu'elle a été fiancée, Noldoba Momina Lalou, que c'est depuis qu'elle a été fiancée que ses défauts viennent d'arriver, Venistarfa Sadeo, et que son champ a été inondé. En deux mots, le père, il va lui dire, pour le moment, c'est le mari qui est cru. Puisqu'elle est dans la maison du père, on a une règle qui va me dire, Kan Nimtsa, Kan Haya. Si je le trouve quand c'est chez toi, quand elle est sous ta tutelle encore pour le moment, je l'ai peut-être acquise, mais elle vit encore chez toi, beau papa, ou moche papa, eh bien, elle vit chez toi, c'est à toi de prouver que ça vient d'arriver, parce que pour le moment, Kan Nimtsa, Kan Haya. Si je le trouve chez toi, c'est que c'était chez toi depuis le début. Maintenant, Nichnesa Lirchotabal, par contre, si le mari, il a déjà marié la femme, et maintenant, eux, ils vivent pudiques, ils se promènent pas dénudés dans leur maison, mais qu'après 5 mois de mariage, sa mère, du Khatan, qui vient, qui vient dire à son fils, tu sais, ta femme, elle a un sale poireau sur le dos, il lui dit, j'ai jamais fait attention, nous, la lumière éteinte, bon, Hachem, on vit comme il faut, on se voit pas nu, donc du coup, maintenant, et du coup, il va truc, et du coup, c'est quelque chose qui le répugne. Il va l'obédine, il va dire, en fait, ma femme, elle a un défaut, elle me l'avait caché, j'avais bien posé la combinaison, je veux la divorcer, je ne peux plus supporter avec elle, ça m'écœure, et je ne veux pas lui donner la ktouba. Et la femme, elle dit, mais quand je me suis marié, j'avais pas ça, ça vient de me poser. Ça m'a poussé dans mes 3 derniers mois. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait à qui de prouver, cette fois-ci? Alors là, Nirnessa, Nirchotabal, elle est déjà rentrée dans la maison du mari. Abal, Tzarich, la viraya. C'est au mari de prouver, d'apporter une preuve. Chez Ad Shalonitarsa, que depuis, que c'est avant qu'elle a été fiancée à Yuba Moumin Elou, que ses défauts étaient là depuis même avant qu'elle a été fiancée, là il y a un micro et qu'il a en fait acquis une femme avec erreur, avec ils l'ont trompé au moment du mariage, du fiançailles. Soit en deux mots, c'est très simple. Lorsqu'on trouve les défauts dans la maison du père, c'est au père de prouver qu'ils n'étaient pas là au moment du fiançailles, et que ça vient d'arriver. Si on trouve les défauts, on les découvre dans la maison, quand on est déjà dans la maison du mari, et que c'est possible qu'ils viennent de naître quand ils étaient chez le mari, alors c'est au mari de prouver qu'ils étaient là depuis, en réalité, depuis avant les fiançailles, et qu'ils nous ont vendu une vente défectueuse. D'accord? Divrei Rabbi Meir, telle est la vie de Rabbi Meir, et sur ça je crois qu'il n'y a même pas de marloquette d'ailleurs, parce que Chachamim il va me dire autre chose. Exactement comme ce qu'il dit le Tosafot Yom Tov. Chachamim dit, il rapporte un autre élément important, attention. Bamed Varim Amorim, de quoi on parle? De quel type de défaut on parle? Bemoumin Shebaseter, qu'on parle de défauts qui sont cachés, comme on a dit, qui sont sur le dos, qui sont sur des parties plus cachées du corps. Aval Bemoumin Shebegaloi, mais des défauts qui sont en pleine face, ou bien qui ont une main. Eh, j'avais pas vu qu'elle avait pas de main. T'as pas vu qu'elle a pas de main, j'ai pas compris quand même. Même si tu lui sers pas la main, c'est quelque chose qui se voit. D'accord? Eh bien, Enoya Choliton, il peut pas prétendre quoi que ce soit. Tu peux pas me dire, eh, je me suis avec une femme, en fait, j'ai réalisé qu'elle avait pas de main. Et que, en fait, elle est née sans main. Et quoi? T'as passé 4 mois de fiançailles, tu l'as rencontrée dans toutes sortes d'occasions, elle a eu l'occasion de partir dans un café, quoi. Sans arrêt, t'as jamais pu voir qu'elle avait pas de main. Tu nous prends pour qui? C'est sûr que tu l'as vu. D'accord? Donc, si tu l'as vu, ça signifie que ça va avec Kibel. Il a bien réfléchi au problème, il a accepté. Et finalement, maintenant, tu nous racontes des histoires que finalement, après coup, tu réalises que tu n'es pas capable d'assumer. Ben, c'est ton problème à toi. D'accord? On est des gens responsables. Tu vois. Tu conclus. T'assumes. Veim Yeshmer Khatz Beotaïr. Maintenant, nouveau sujet important. Si toutefois, il y a un bain public dans la ville, à l'époque où tout le monde partait au même bain public, il n'y avait pas 50 bains publics, il y avait dans la petite contrée là-bas, il y avait un bain public où les femmes allaient là-bas. Donc si un merchatz, afmomin shebaset et anoyacholeton, même si c'est un défaut qui est caché, il ne pourra pas le prétendre. Pourquoi? Mipne shubodka bikrovotav, parce que c'est sûr qu'il est parti vérifier
avec ses proches parents, il envoyait sa mère, il envoyait sa soeur pour vérifier qu'elle n'allait pas avoir une femme avec toutes sortes de défauts, sur les, même dans les parties plus ou moins cachées. D'accord? Donc il ne pourra plus prétendre à Pekou. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slachakotou.